Bonjour à tous, donc je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui donc pour un nouveau tuto pour la Teeny Sweet Craft. Et le thème de cette semaine c'était dessin animé. Donc j'ai eu énormément de mal à trouver mon idée parce que j'avais plein d'idées et je n'arrivais pas à mettre en forme pour trouver quelque chose d'original. Et c'est ma fille qui m'a donné l'idée parce que ma fille en ce moment regarde énormément le dessin animé. Je me suis inspirée d'un personnage et ma fille regarde énormément ce dessin animé en ce moment, en boucle d'ailleurs, et mon fiel en est fan également. Et comme je sais que ma soeur décore un petit peu sa chambre avec les personnages de ce dessin animé, j'ai voulu y mettre ma petite touche et donc j'ai fait ce personnage. Donc c'est le personnage de Buzz l'éclair qu'on peut trouver dans le dessin animé Toy Story. Et donc je l'ai fait en version Tsum Tsum parce que je sais que c'est quelque chose qui plaît en ce moment. Voilà, et moi j'aime bien ces petits bonhommes. Et voilà, j'ai voulu vraiment m'essayer au petit Tsum Tsum parce que c'est quelque chose que je n'avais jamais fait. Et que les figurines, ce n'est pas du tout mon dada. Donc j'espère vraiment que ce petit tuto vous aura plu et je vous laisse tout de suite avec celui-ci. Pour débuter donc le tuto, vous allez venir faire un boudin de pâte couleur chair assez gros que vous allez entourer d'une fine couche de pâte blanche où vous laissez un petit morceau. Ça sera le visage de Buzz. Donc vous venez bien plaquer la pâte blanche bien comme il faut. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de faire comme moi, c'est de couper en fait pour ne pas que la pâte soit trop épaisse au bout du Tsum Tsum, pour qu'elle soit vraiment à la même épaisseur. Ensuite, pour enlever les démarcations, donc vous roulez entre vos doigts et vous allez venir en fait lisser l'arrière. Donc là j'utilise un outil en silicone, mais vous pouvez très bien utiliser votre rouleau, vos doigts, un cure-dent, enfin ce que vous avez sous la main de rond, voilà, pour bien lisser le tout, dotting tool, ball tool, voilà. Donc une fois cette étape terminée, donc vous allez étaler finement de la pâte violet clair, donc là c'est la cernite. Vous allez venir faire un demi rond avec affiné en fait en biseau plus fin d'un côté. Donc là j'avais pas assez de pâte, donc j'ai tout simplement mis un tout petit bout de pâte, j'ai bien lissé, surtout bien lissé pour éviter qu'on voit la démarcation entre les deux. Vous venez prendre deux morceaux de cette même pâte que vous allez venir former en boule et placer de chaque côté de la tête, comme l'indique le costume de Buzz. Ensuite, dans du vert clair, donc là c'est le wasabi de chez Prémo, vous allez découper une fine bande que vous allez venir placer à l'arrière. Vous voyez bien ce que ce soit bien placé tout autour. Vous lissez bien la jonction. Toujours dans ce même vert, donc vous allez venir découper le haut de son costume. Donc vous allez faire un espèce de triangle mais allongé. Vous placez la pointe vers le derrière. Vous venez bien lisser le tout, bien plaquer. Vous enlevez le superflu et vous lissez à l'aide d'un dotting tool. Ensuite, avec du noir, vous allez faire une fine bande de noir, donc un petit peu plus large que la verte de tout à l'heure. Et vous la placez entre le triangle que vous venez de faire et la bande verte de tout à l'heure. Pareil, n'oubliez pas de bien lisser la jonction.
Donc ensuite on va passer aux ailes. Donc pour cela vous allez venir prendre un boudin de blanc que vous allez affiner aux deux extrémités puis aplatir. Et ensuite à l'aide de votre doigt ou d'un autre objet, vous allez venir en fait aplatir les extrémités tout en gardant le bombé du milieu. Bien sûr, vous venez toujours affiner le bord, qu'il soit beaucoup plus fin que le milieu. Ensuite, vous allez aplatir une très fine bande de violet, le même que tout à l'heure. Vous allez venir découper un triangle comme on a fait précédemment dans le vert. Et vous allez venir le placer sur les ailes, donc en laissant une petite partie blanche. Donc, vous lissez bien le tout, vous enlevez le superflu. Côté. Donc ensuite avec la même pâte verte que tout à l'heure, vous allez venir faire des petits boudins que vous allez placer de chaque côté. Donc là vous voyez que j'ai mis un reste de tige à œil tout simplement pour consolider le tout, et vous venez tout simplement faire un petit boudin que vous venez planter dans le reste de clou à œil. Ensuite, toujours dans le violet, vous allez venir faire une fine bande que vous allez venir placer en fait au centre de l'aile. N'oubliez pas, de bien lisser le tout pour enlever la jonction. Ensuite, dans de la pâte rouge, vous allez venir faire de fines petites bandes de rouge. Et vous allez en mettre deux de chaque côté. Donc faites attention, cette étape est très délicate parce que les bandes sont vraiment très fines. Donc une fois l'aile finie, vous voyez que j'ai mis un reste de tige à œil, je mets une petite pointe de fumo liquide qui va me servir de colle et je viens placer l'aile dessus. Ensuite on va passer donc aux pieds et aux mains. Donc là vous voyez que j'ai mis des restes de tige à œil de chaque côté et je viens mettre des boules. Donc pour les pieds vous mettez deux boules de violet et pour les mains vous allez mettre deux boules de blanc. Donc faites bien attention que les boules soient de la même grandeur. Donc là on va passer à la dernière étape, donc ses yeux. Donc vous venez prendre deux petites boules de pâte noire, vous venez les placer et les écraser. Faites bien attention de bien lisser le tout. Ensuite vous allez venir prendre un plus fin petit boudin de noir et en fait on va venir former les sourcils. Donc faites attention parce que cette étape est vraiment délicate parce que c'est tout petit. Donc vous lui donnez l'expression que vous voulez. Là moi je me suis inspirée d'une photo que j'ai trouvée sur Google en tapant Tsum Tsum Buzz. Et ça m'a donné cette expression là, donc j'ai suivi tout simplement la photo. Et donc il ne vous reste plus qu'à le passer. Non, il reste encore la bouche, pardon. Donc pour la bouche, vous venez faire un plus fin boudin que vous allez venir placer en fait en rond, tout simplement. Et donc une fois cette étape terminée, il ne vous reste plus qu'à le passer au four selon les recommandations du fabricant. Donc voilà ce que ça vous donne donc une fois cuit et verni. Donc j'espère vraiment que mon petit Tsum Tsum Buzz l'éclair vous aura plu. Moi ça m'a super plu de le faire, mon fiole va être ravi en le voyant. Donc je vous invite bien entendu à aller voir toutes les autres vidéos des autres filles de la team et je vous dis à dans 3 semaines pour une nouvelle vidéo de la team. Bye !